Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de lancer une étude qui va permettre d'étudier l'état de santé de la population de Saint-Quentin. Cette étude est faite en partenariat direct avec l'UFR de santé de l'Université de Versailles-Saint-Quentin et une start-up, Adjimé, donc issue du tissu économique local. Adjimé, à la base, nous, on a déjà une plateforme qui permet de mener des études auprès d'adhérents d'associations de patients. Et cette plateforme-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait la mettre à disposition de Saint-Quentin-en-Yvelines pour mener cette étude épidémiologique. Tout est anonyme. Si quelqu'un ne souhaite pas répondre, il ne répond pas. Chacune des réponses qui va nous être apportée, chacun des questionnaires complétés sera un pas en avant vers la connaissance fine de cet état de santé et donc une meilleure compréhension et une meilleure réponse aux besoins de santé de la population. C'est un questionnaire 360 degrés sur la santé. Si on se rend compte qu'il y a un problème d'activité physique, par exemple, on donne la possibilité aux décideurs politiques locaux de voir, par exemple, qu'il y a une sous-activité physique et donc de développer cette activité physique. Cette étude va également nous permettre de mieux décrire l'accès aux soins de la population saint-quentinoise. Et si il ressort de nos résultats que cet accès est peut-être pas aussi facile ou pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, ça peut amener à réfléchir et donc à essayer de trouver des solutions pour permettre de nouvelles installations, pour permettre un accès aux soins plus facile et de répondre au mieux aux besoins locaux.